Good morgen, Aleiden les Suzerains aujourd'hui, les Lunishmat, Mauvais Rabbi, Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin, Ben Mazal, ainsi que l'Irfouat, Sarah Bat Beti Rivka, Rafael Zoulon Ben Chayamalia, Myriam Bat Chassida, Edov, Ben Yehudit, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez la Sécurité éternelle. Nous étudions ma Sarah Trulin, Père Gévan, Mishnah Vav. Simane Behema, Mechaya, Nehemru, Bator, Nehemru, Minatora, Vesimane, Aof, Lon, Nehemru. Aval Amru, Chachamim, Kol Of, Hadores, Tamé. Kol Sheyeshlo Etzba Yetera. Vezefek. Bekur Kevano Niklaf Tahor. Abelezer Berab Tzadok Omer. Kol Of Acholek Et Raglav Tamé. La Mishnah m'enseigne. Simane Behema Vechaya Nemru Min Atora. Les signes distinctifs pour distinguer les animaux kasher, qu'il s'agisse d'une Behema, d'un animal domestique ou d'une Chaya, d'un animal non domestique, d'un animal sauvage, il y en a aussi, ouais. Les cerfs, les faons, toute cette famille-là, les gibiers, on en trouve beaucoup qui sont cachers. La Torah, pour chacun, pour tous ces mammifères, la Torah m'a donné, m'a explicité des simanimes, des signes distinctifs pour désigner ce qui sont cachers. Vous savez bien, la facette par ça, mais chaussade, chez ça, mais malaguera. Malaguera, c'est qu'elle rumine. Vous vous rappelez quand on avait parlé des estomacs, des quatre estomacs de l'animal? Elle ingurgite de la nourriture, ça va dans un premier estomac, ou ça va dans le bétacosot, ou ça va fabriquer des petites boulettes. Et ces petites boulettes, ensuite, une fois que l'animal il a fini d'ingurgiter dans la panse, c'est-à-dire dans la panse d'abord, il fait d'abord entrer toute la pleine quantité d'herbes qui le broutent. Ensuite, ça se travaille, un premier travail grossier, ça va dans la panse, dans le deuxième estomac, le bétacosot. Dans ce bétacosote, ça se sépare en petites, ça se forme des petites boulettes, qu'après l'animal, plus tard, ça lui remonte, et il les remâche, et puis après, ça redescend, et ça prend un cycle dans les estomacs. D'accord ? Il y a maintenant, donc ça, c'est ce qu'on appelle Kemaala Gera. Elle fait remonter, elle rumine, ce qu'on traduit par ruminer, elle fait remonter des petites boulettes. Gera, c'est une petite boulette. D'accord ? Donc elle rumine. Et aussi, il faut chaussade chez ça, qu'elle ait les pattes, les sabots fendus. Donc les sabots fendus et qu'elle rumine. C'est les deux synonymes de Tahara. En théorie, dès qu'on voit un animal qui a ces deux signes, l'animal il est cachère, même si, malgré tout, on a l'usage de ne manger que ce que l'on a, sur lequel on a une tradition nette de consommer ces animaux. En l'occurrence, c'est pour ça qu'on ne mange pas de la girafe, par exemple, parce qu'on n'a pas de tradition de manger la girafe, même si en théorie, elle a tous les signes distinctifs, il n'y a aucun problème. Et l'histoire, on ne sait pas où lui faire la shrita, je ne sais pas d'où c'est venu, personnellement, dans le peu que je connais, je ne suis pas tellement étudié ce sujet, mais en tout cas, le peu que je connais, il n'y a pas de problème, on n'est nulle part, au contraire, on a un très grand coup pour lui faire la shrita. Le problème technique, il est surtout qu'on n'a pas de transmission sur cet animal, donc ce qu'on n'a pas aperçu nos ancêtres, on ne touche pas. D'accord ? Donc, ça, c'est si il y avait même des problèmes qui se sont soulevés, par exemple, ensuite avec. Les fameuses vaches d'Argentine, le zébu, est-ce que c'est consommé, c'est pas consommé? Il y a eu comme ça toutes sortes de... Il faut qu'il y ait nécessairement une transmission, définir ce que c'est la même famille, c'est pas la même famille. C'est tout un sujet, un thème halakhique développé amplement dans les poskim. Donc, pour les simanim des mammifères, la Torah m'a explicité des signes. Chosat, c'est ça, ma frissa et malaguera, chosat, c'est ça, ma frissa par ça, c'est la même chose, c'est les sabots fendus en haut et en bas, il faut que ce soit tout le long. D'accord? Tout le long, le fendu, le sabot doit être fendu entièrement. Par contre, vesimane aof l'onemo. Par contre, si vous regardez dans la Torah, je crois que c'est dans Parashat Shmini, il y a deux endroits, et au moins dans Parashat Shmini, c'est sûr, simane aof, les signes distinctifs de des oiseaux, des volailles, l'onemo, neemaro. N'ont pas été explicites. À la Torah, elle m'a dit, cela, tu ne les mangeras pas. Et elle m'a explicité toute une longue liste de Aperes, Vaosnia, Vea Tachmas, Vea Shalaf, Vea Duchifat, toutes sortes de termes que la Torah a utilisés. Rashi les traduit tous avec, si vous voyez là-bas, Rashi les traduit avec du français, avec du vieux français, c'est assez rigolo. La chauve-souris, ça s'appelle une chauve-souris. C'est comme ça que c'est écrit dans Rashi. Il y a en tout cas, là-bas c'est explicite en tout cas, toutes sortes d'oiseaux défendus, sans me donner toutefois de règles pour les distinguer. Aval amru chachamim, mais chachamim nous ont quand même transmis
des signes distinctifs par une halakha de Moshe Sinaï. C'est rapporté dans les Mefarshim, on tient ça par transmission depuis Moshe Rabbeinu, que Kol Of Adores, donc la Mishnah va en fait m'expliciter une transmission orale, comment distinguer les oiseaux, les volailles cachères. Kol Of Adores, tout oiseau, alors on a l'habitude de traduire un Of Dores à un oiseau prédateur, mais c'est pas exact, c'est pas expliqué comme ça par le Barthénora. Of Adores Tamé, tout oiseau qui a, donc littéralement prédateur, c'est interdit. Mais en réalité, il explique le Barthénora, c'est qu'il y a des animaux. Vous voyez, quand un oiseau, il veut manger une graine, un pigeon, il va se baisser, il va manger la graine. Eh bien, regardez comment les autres oiseaux tméim, les oiseaux impurs, vont manger. Alors, tel que c'est rapporté dans le Barthénora, c'est qu'il attrape par les ongles et l'amène à sa bouche. Mais j'ai en tête que c'est pas nécessairement comme ça. Et comme ça aussi, rapporte aussi à Israël. J'ai en tête que je crois que ça suffit que simplement qu'ils mettent la patte sur la nourriture qu'ils mangent, ça suffit déjà pour essayer de définir que c'est un dores. Et sur ça, je suis pas sûr parce que je ne l'ai pas revu écrit. Je me souviens que j'avais étudié comme ça il y a 7 ans, au cycle précédent du Daf Yomi, que Kol Of Adores, que c'est l'oiseau qui met la main sur la nourriture quand il mange. Mais à part tel que c'est rapporté dans le Barthénora ici, donc je me plie pour le moment dans la mesure où vraiment c'est ce qui est écrit. C'est l'animal qui va soulever pour apporter à sa bouche. Ça s'appelle Dores. D'accord ? Tamé. Donc, pour tout cela, ce sera Tamé. Donc, c'est un premier signe, tout d'abord. Si vous voyez un animal, un perroquet ou, je sais pas, un corbeau, c'est fréquent, sur le corbeau, il va partir manger de la chair, il va mettre sa patte dessus, il va commencer à ramasser pour manger. Ça, c'est déjà interdit. C'est sûr, c'est un oiseau Tamé. Ensuite, à partir, il y a encore d'autres signes. Et les autres signes, ça va être plus délicat, comment trancher. D'abord, on les traduit. Kol sheyashlo etzba yetera, tout celui qui a un doigt en plus, c'est-à-dire, dans les oiseaux cachers, il y a, si vous regardez dans les pigeons, dommage, j'ai voulu voir avant le cours en fait, mais bon, c'est pas grave. Chaque fois, je passe du temps sur Wikipédia dans les trucs comme ça, je passe des demi-heures et des trois quarts d'heure, donc franchement, heureusement pour moi que j'ai oublié de le faire, sinon, je vais partir une heure beaucoup trop tard. Donc, il y a maintenant, vous allez voir que derrière, c'est-à-dire il y a dans la patte de l'oiseau, je crois qu'il a quatre doigts, il y a dans les animaux cachers, alors il faut, au contraire, dans les oiseaux, c'est celui qui a, dans les animaux cachers, il doit avoir un etzba yetera, un doigt en plus derrière, c'est-à-dire il va avoir les quatre doigts devant, et, ouais, sous forme de. Et avec un petit doigt derrière qui pousse comme ça sur le côté. Ça, c'est le premier signe. Vezefek. C'est qu'il a un jabot, mais Kevano Niklaf, c'est qu'il a un gésier qui s'épluche. C'est-à-dire, d'abord, vous vous rappelez c'est quoi les effets que le jabot et le gésier? On a expliqué pour la digestion, lorsqu'elle ingurgite les graines, elles viennent d'abord dans les effets, dans le jabot qui se trouve, c'est une première poche, parce qu'en fait il ingurgite les graines, c'est un peu comme le même principe que l'animal cachère qui rumine. Eh bien, c'est un peu dans la même chose dans les oiseaux, c'est qu'il fait d'abord entrer toute la nourriture dans une première poche. Ça va vraiment commencer la digestion. Après la digestion, elle va commencer à se faire plus doucement, et alors là, ça va descendre dans le gésier. Le gésier, c'est l'équivalent de l'estomac, à peu près, ouais, c'est l'équivalent de l'estomac dans les volailles. Donc, il faut tout d'abord, pas tous les oiseaux ont un jabot. Il y en a chez qui ça rentre directement dans l'estomac, enfin dans le gésier. À part ça, le kourkevan ou niklaf, c'est qu'il faut le kourkevan, donc le gésier, qui s'épluche, c'est-à-dire qu'il a une peau extérieure et qu'on peut les séparer. C'est un signe distinctif. Donc en fait, regardez comment ça se passe. La Torah, la Mishnah me dit, tout d'abord, si un oiseau donc, qui saisit pour amener à sa bouche, qui saisit, qui met au moins la patte sur la nourriture pour ensuite le consommer, tout d'abord, c'est un oiseau tamé, premièrement. Maintenant, un oiseau qui ne fait pas ce geste, en l'occurrence, le perroquet. Il ne fait pas ça. Je crois pas, j'ai jamais vu un perroquet, il rentre son bec dans les graines et il les prend. Pourtant, le perroquet n'est pas caché. Alors pourquoi? Parce que forcément, il va avoir les problèmes qui sont évoqués ensuite. C'est qu'il a etzba yetera, c'est qu'il n'a pas le etzba yetera ou il n'a pas le zefek ou le kirkavano niklav. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'anatomie des oiseaux, mais j'imagine qu'en tout cas, il ne doit pas avoir le doigt supplémentaire et il ne doit pas avoir de zefek, de jabot. Et Kourkevano Niklaf, d'avoir le gésier qui s'épluche. Parce que ça, c'est les trois signes distinctifs pour que ce soit cachère. Le Barthénora, en fait, nous explique que, regardez, il y a la Mishnah, elle a sa classe en deux signes. En deux parties. Il y a d'abord
l'animal qui met la patte sur la nourriture pour l'amener à la bouche. Et à part ça, on a donné les trois signes. Pour être kasher, il suffit qu'il ne mette pas la patte et qu'il ait un des trois signes, un seul des trois signes. Ça, c'est selon la loi stricte. Le Barthénois rapporte malgré tout au nom des Géonim qu'on ne se fonde que sur le doigt supplémentaire. Non, plutôt sur le, je me suis trompé, auto siman shikur kevano niklaf bayad. On ne se fonde que sur un siman supplémentaire. C'est-à-dire, en plus du problème qu'il ne mette pas la main sur la nourriture, il faut en plus de ça qu'il ait le kurkevano niklaf. On a une tradition de ne pas se fonder sur tous les halakhot de la Mishnah, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, de se fonder que sur le deuxième signe, que ce soit kurkevano niklaf, que le gésier puisse s'éplucher, qu'on puisse séparer la peau du gésier. D'accord ? Ensuite, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok Omer, Kol of acholak et raglav, tamé. Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok, il a encore un autre signe supplémentaire. Si toutefois tu vas voir un of acholak et raglav, une volaille qui va séparer ses pieds, c'est-à-dire, tu vas prendre un fil ou un câble et tu vas mettre l'oiseau dessus pour voir comment il va se tenir. Ben vous allez voir qu'un oiseau cachère, il va mettre tous les doigts devant. Et tandis que l'animal tamé, il va probablement mettre deux devant et deux derrière. Il va attraper le fil de manière à ce que ce soit. Je crois d'ailleurs que, par exemple, les perroquets ont les perruches. On sent que c'est comme ça que ça se passe. Ils attrapent par devant, ils attrapent par derrière aussi. Alors là, c'est un signe que l'animal, il est impur. Il me semble d'ailleurs que vous avez probablement entendu l'histoire avec le broquel. Je ne sais pas comment ça a été dit en français. C'est une histoire qui fait beaucoup de bruit, à peu près même pas un an. En Israël, où on a voulu importer une nouvelle sorte de volaille de Belgique, je crois, et il s'est avéré que certains rabbanim, ça a été très discuté, il y a eu toute une polémique qui a été ouverte sur le sujet entre les rabbanim, il y en a qui ont dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à manger, il y en a qui ont dit que c'était au contraire, ça se trouve que c'est interdit. Maintenant, en tout cas, il y a des rabbanim qui ont affirmé qu'ils l'ont vu se poser de temps en temps, lorsqu'ils montrent qu'ils veulent se poser sur un câble, eh bien ils l'ont vu être cholek et raglav, être raglav. Justement, comme c'est écrit ici, qui sépare les issou, il va ouvrir sa patte. Ça peut lui arriver apparemment. Je ne sais pas est-ce que oui ou est-ce que non. Je dis juste que c'était un des thèmes parmi tout le débat qui était ouvert. Un des thèmes, c'est ce que réellement la position qu'il prend en certaines situations, lorsqu'il a peur et d'un coup il doit sauter sur un câble et qu'il va se mettre à s'agripper, est-ce qu'il va s'agripper en étant cholek et raglav en séparant ses doigts. Si toutefois c'est vrai, eh bien l'animal, c'est sûr que l'animal, il est taref. D'accord ? Il est pas taref, il est pas cachère à la consommation, c'est un animal impur. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.